De nationalité camerounaise, Marie-Rose Benjamin, âgée de 34 ans, divorcée, taille 1m63, de teint clair et mère de 3 enfants. Marie-Rose quitte la Cameroun pour venir au Sénégal en 2011, plus précisément dans la région de Fatick, où elle continuera de subir d'énormes difficultés, mais de par sa bravoure, elle en est sortie la tête haute. Marie-Rose obtient son diplôme de BFM en 2013 et celle du bac en 2016. Et là, elle travaille dans le domaine de la santé, où elle est très bien accueillie et respectée. En 2015, Marie-Rose écrit un livre intitulé « Du mot Ganga au Sin ». Elle raconte sa vie dans ce beau roman. Et aujourd'hui, le livre a été publié et la cérémonie de dédicace a eu lieu au district sanitaire de Fatick où tous ses parents, amis et collègues sont venus pour la soutenir. Ce roman, ça parle, il y a un peu de là-dedans. Et comme je suis quittée de mes Gangas, je me suis dit qu'il était... Pour remettre les choses dans son contexte, c'était bien de commencer par là où je viens pour maintenant terminer là où je suis arrivée. Okay. Donc c'est pour ça que je viens de Miganga. Et à Miganga, on a une très grande montagne là-bas de la ville. Et quand j'étais petite, j'aimais beaucoup aller là-bas. Voilà pour ça. Et l'inspiration aussi est venue, du titre du roman est venue d'un frère, Joseph Ndiaye, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est pas de sa faute, c'est comme je l'ai réitéré. Ouais, comme je l'ai réitéré, c'est parce que il n'avait pas été informé à temps quoi, pour être là. Sinon, c'est de lui qu'est venu ce titre. C'est de son inspiration qu'il m'a proposé ce titre. Il m'a dit, comme tu viens de là, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas ça? Ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, comme tu es quitté de là-bas, donc on a mon ganga aussi. Donc ça passe le parcours d'une jeune fille qui a... Oui, un peu de résumé, comme vous le dites, qui a vécu beaucoup de drames dans sa vie. Mariée très jeune, veuve avant 20 ans, chassée de la maison. Elle a affronté les difficultés, elle a toutes sortes de difficultés. Vous savez, quand vous êtes chassée, vous êtes démunie, vous n'avez rien, vous vivez tout. Maintenant, le hasard a voulu qu'elle rencontre un Sénégalais, ce qui n'a pas été aussi de tout repos. Mais vers la fin, c'est ici au Sénégal qu'elle a su se battre pour se relever de toutes ces choses. Donc, c'est ça que parle le roman, un peu en quelques angles quoi. Il y a un peu mon vécu, on peut dire que l'inspiration vient de mon vécu, mais il y a aussi la fiction là. Vous savez, on a toujours deux projets. Oui, j'ai envie de le faire, je suis sur un deuxième roman, mais ce n'est que ce qui est sur brouillon pour le moment. J'envisage, c'est vraiment une passion pour moi. Écrire, c'est thérapeutique quoi. En fait, ça aide. Aide vraiment l'écriture. Pour moi, c'est une manière de soigner mes plaies et de penser un peu tout ce qui s'est passé. Donc oui, je compte en écrire d'autres si Dieu me prête vie. Ce n'est pas un monde facile. Vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Beaucoup de portes vont se fermer. Mais la chose à ne pas faire, c'est se décourager. C'est dire que, ok, parce que j'ai frappé une, deux portes, ça ne va pas marcher, il faut s'arrêter. Non, il faut se battre comme dans toute chose dans la vie. Il faut se battre et surtout, mon message s'adresse surtout aux jeunes filles. Parce que les garçons ont beaucoup plus de chance que nous. Nous, on peut être enlevé pour donner en mariage. On peut peut-être par nos propres erreurs tomber enceinte et dire que, ok, on a déjà un enfant, on arrête. Mais la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un enfant. On peut avoir un, deux, trois enfants et se battre, retourner à l'école. On ne peut pas avoir de soutien, ça c'est sûr. Mais c'est dire que, ok, quand j'ai un enfant, je m'assois. C'est pas, moi, je ne le conseille pas. Au contraire, il faut puiser la force sur ce qu'on voit. Parce qu'en ce moment, on a un enfant, on a des difficultés. On doit alors prendre ces difficultés pour transformer ça en une force afin de donner le bon exemple à nos enfants. Pour celles qui ont d'enfants, mais pour celles qui n'en ont pas aussi, je trouve que là, c'est encore meilleur. Parce que sans enfant, je me dis que tu as la possibilité de te lever, trouver ton travail. Comme j'ai dit à mes filles ici, de femmes de ménage, moi, je n'ai pas honte. Même là où je suis là, je vous jure que tout travail qui se présente à moi, que ce soit balayer la rue, que ce soit laver, que ce soit faire le linge, pour moi, ce sont tout autant des travaux, un travail honorable. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis là que je peux dire que non, il faut que je choisisse ou bien autre chose. C'est-à-dire, le mot-clé, c'est quoi? Ne jamais baisser les bras, ne pas trouver d'excuses aussi. Parce que dire que parce que j'ai un enfant ou bien parce que j'ai ainsi, c'est comme ça. Pour moi, ce sont des excuses. Moi, si je prends mon exemple,
je me suis retrouvée, j'ai divorcé, je me suis retrouvée avec deux enfants. Mais je trouvais le moyen de chercher où les mettre. Et j'expliquais les filles. Je parle beaucoup aussi aux filles. Je dis, écoutez, c'est pour un temps. Si maman ne fait pas ça, on va tout le temps avoir besoin de manger. On va tout le temps avoir besoin de se vêtir. Et on n'aura pas parce qu'on a faim, on n'a pas d'argent. Donc il faut se battre pour y arriver. Et vraiment, j'encourage beaucoup de jeunes, garçons ou filles, de ne jamais lâcher leurs rêves. Et quand tu as des rêves, il y aura toujours des gens négatifs pour te dire tu ne vas pas y arriver. Mais si en toi-même tu es convaincu que tu vas y arriver, billahi, rien ne va t'arrêter. Dieu va faire en sorte de mettre quelqu'un sur ton chemin pour faire aboutir cette chose. C'est ce que j'ai comme message pour les jeunes. Beaucoup de personnes m'ont aidé et je ne pourrais tout citer. Il y a mon frère qui est à Dakar. J'ai dit mon frère, on est des compatriotes. Mais Bertrand et Anna Tikoum, mon message c'est pour vous. Anna, tu es blanche, tu es noire. Mais j'ai dit, toi et moi, on a le même cerveau. C'est la couleur de nos peaux qui sont différentes. Non, toi et moi, on est la même personne. J'ai Astou, que je ne cesse de mentionner et mentionner encore, qui est ma grande soeur qui est à Djuroup. Malheureusement, je ne l'ai pas informée, donc elle n'a pas été. Heureusement, son mari, tonton Ibou, est là. J'ai la famille Maron qui est à Ndjandjaï, qui est vraiment ma famille là-bas. Quand je veux me déplacer, je les laisse là-bas. En tout cas, on peut dire qu'ici au Sénégal, j'ai frère, mère, oncle, père, et j'ai tout ici au Sénégal, c'est tout ce que je peux dire. Et je remercie vraiment le Sénégal parce que la teranga sénégalaise, elle existe, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et merci beaucoup. La belle et brave femme n'a pas manqué l'occasion pour encourager aussi les jeunes filles de ne jamais laisser leurs rêves. Il faut toujours se battre pour ce qu'on veut et aller de l'avant.